Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente des plantes d'ombre qui apprécient la mi-ombre et qui apprécient l'ombre au jardin ou sur votre balcon ou sur votre terrasse. Voici quelques pépites de la pépinière que j'ai sélectionnées pour vous cette semaine. La première, elle s'appelle Valvert, l'Hortensia Valvert. Alors c'est de toute beauté, c'est une nouveauté dans notre pépinière. La fleur commence à fleurir au mois d'avril, mai, là en pépinière, donc au jardin on va être au mois de mai. Elle a des teintes vertes, violacées et elle va terminer rose soutenue, striée de vert en été. Je vous le conseille à la fois en poterie ou dans votre jardin, à la mi-ombre ou à l'ombre. La deuxième pépite de la pépinière de la semaine, c'est une fougère, c'est l'Atyrium metallicum. Elle a des teintes pourpres, verte, elle est vraiment étrange et on a également un peu de couleur grisée sur ce feuillage. Voilà, c'est une plante encore d'ombre, vraiment l'ombre, hein. elle aime pas le soleil, donc préférez un coin à l'ombre dans votre jardin. On les appelle les bruyères d'Irlande. On en a de toutes les couleurs, des rouges, des blanches, des roses, des violettes. Il fleurit deux fois dans l'année, la première fois dans votre jardin au mois de mai, juin, tout l'été. Vous refaites une légère taille, juste ici là, hein. Vous le taillez légèrement ici et vous aurez encore de la fleur en septembre-octobre. Voilà, Daboecia cantabrica, c'est une plante facile, c'est une de la famille des bruyères, donc qui préfère la mi-ombre. Vous pouvez réaliser des petites haies, vous pouvez également les cultiver en pot sur votre balcon, sur votre terrasse. Merci pour votre écoute, à bientôt.